Bien bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui dans ce je ne sais plus combien d'épisodes. Oh là, on se retrouve avec toujours autant de balles. Toi, c'est toi. Vous avez laissé après une visite d'un quart d'heure, qui était plutôt. Aïe, oh. Ouf. D'accord. Bon. On a une vidéo plus longue. Oh, on passe, hein. Je vais boire ton sang. Oh là là. Alors, je ne sais pas du tout, je dire sur point de vidéo. Alors, on est au 9e. Ah oui. On est au 9e épisode. Les amis, pour le 10e épisode qui sera tourné après, on fera une vidéo d'une heure. Donc j'espère que vous allez vous accrocher à votre caleçon parce que je pense. On va se taper de ces choses. Il va se passer plein de choses, je pense. Alors, je tourne les épisodes à peu près. Un peu. Toujours à la suite, mais. Putain, dégage! Voilà, pour là, j'adore ce Tomb Raider là parce que déjà, le niveau action, il n'y a rien à dire, c'est vraiment le meilleur. C'est une vraie histoire des débuts dans le Rise que j'ai pu tester il y a 3 jours. Et oui, j'ai pu tester Rise, voilà, qui vient de sortir. Pourquoi? Ah oui! Alors, un passage vraiment épique. Préparez-vous. Ouch. Oh là. Alors ça. Est-ce que je vais réussir à mettre ma touche? Dégage. Oh là. Ah non mais ce jeu... est clairement énorme. Au niveau qualité, je sais pas pour vous, mais j'ai un peu augmenté. Là, vous êtes très. Attendez. Je vais mettre une petite musique, tiens. Non, parce que j'ai envie quand même. C'est Tomb Raider et là, cette musique-là, je vais mettre. Siphonol l'a déjà mis. Mais en plus, je suis pas. J'ai que des conneries, mec. Je vais mettre la musique. Là, par contre, là, on va mettre une musique épique. Épique, le mec.
Alors, mec, il a un problème, c'est qu'ils disent que si. Stéphane a fait une nouvelle vidéo sur Outlast 2, mais. Ça passe et ça fait à un moment donné en fait. Il n'empêche pas, mais bon. Je vais de la mettre celle-là, ça, il n'y a pas photo. Je suis en vidéo les mecs là. Enlevez cette pub. J'étais obligé de la mettre celle-là. Là. Baisse un peu le son. Oui, c'était dans un GMV de Siphano. Oui. Wow. Ça casse en plus? Oh non, non, non. Dégage, dégage! Ça casse! Ça c'est celle-là aussi. Oh merde! De la mettre avant cette musique. Magnifique.
Je mets une autre musique, les mecs. Pourquoi j'en parle pas reprendu, c'est une musique triste, mais. La hache dans le dos. La hache dans le dos, les mecs. Ça va faire mal, ça. Ce passage-là, il est triste. C'est pas le seul qui mourra, je précise. C'est pas. J'ai pas éteint. C'est parti les mecs, alors ce passage là j'aime pas. Vous allez me tuer mais on va acheter. Alors déjà on a assez de points. On va nous donner notre arme. C'est triste en tout cas, je veux pas dire mais. Ah quand même la typique épique elle était peut-être trop. Du monastère, si c'est ce que les gardes protègent, alors.
Ok. On n'aura pas assez de points, les mecs! Non, non. Bon. On est obligé. 350. C'est pas le rapport en fait. Ouais, je vois pas la différence. Non, je vois pas trop en fait. Ah! Ah si, regardez en dessous, ouais, si, si. Wow, on va s'attacher silencieux, je pense. Je dis, bon, on n'est pas trop mal, là. On n'est pas trop mal équipé, on n'a pas de problème, là. On sait le nouveau pistolet. C'est dit le pistolet de Ross. On nous faut 350 précisément. Précisément. Voilà. On va regarder un peu tout ce qu'il y a partout. On va essayer de fouiller, tiens. Il y a des trucs intéressants. Ça, par exemple. Ah, c'est vrai! Mais oui, j'avais pris un truc spécial pour ça. Oh putain, j'ai envie de m'enlever. Ah! Voilà ce que j'ai pris. Là, je peux savoir ce qu'il y a partout, derrière les murs. Là, non, c'est une relique. Ouais, c'est une. Putain, elle est bien touchée, celle-là. Là, déjà, putain, en plus, j'ai éteint. Oh, le coup. Attends, ça s'est même pas arrêté. Désolé. Non, non, non! Putain. Mais la musique, c'est pas mal. Oh là. Dalle de Dynasty Show. Et après, pour là, j'aime pas ce niveau-là parce que dans ce niveau-là, c'est de l'infiltration en fait, c'est pour ceux qui se demandent. Ça, c'est une quête. Oh, mais je pense qu'il y en a eu d'autres. Ça donne des choses en plus. Ouais, putain. Ah, un géo coche. Ouais. Il va récupérer plein de choses. Putain, et c'est l'apocalypse. Bon, là, c'est beaucoup d'infiltration. Les mecs, vous allez me voir fort à toutes les 3 minutes. Ah, le stress, le suspense, je le j'aime tellement pas. Je vous jure. Ah bah voilà. C'était 300 qu'il nous fallait. Sur deux, je me loupe en fait. Là, je vais pas beaucoup parler, les mecs. Désolé pour.
quoi ces gens, ces enchaînements qui tournent dans la tête là? J'ai jamais fait des deux si beaux kills de ma vie en fait. Je vois sa tête. Je vois ça. En fait, il faut leur faire des tirs dans la tête ça. Bon, en fait, je pense qu'on a vraiment mis la 3 meilleures notre part. Ouais, mais en fait, c'est celui qui me spoil. Donc... C'est quoi notre chance de faire des tirs dans le crâne là? Oula, 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 là, j'avais pas vu celui-là. On va tous se les faire, tiens. Pour les... Non, on fait là, là, je dis pas le stress que j'ai là. Merde, mais c'est 350! Oh non, ça c'est nul ça. Ah bon, ça c'est nul ça. En fait, t'as plus d'enfants que l'équipe, il faut les faire à l'arc. Il faut que je le fasse. Problème. Là, je vais faire un filtre, hein, il me demande de faire un filtre. Voilà. Hey, c'est trop stressant, les mecs. Là, je suis tellement pas bien. Je vous le dis. Là, je suis pas bien. Là, ça me stresse, moi, déjà. Là, maintenant, pour faire le silencieux, c'est pas difficile. Voilà. Là, pas le silencieux. On va le faire dans les règles de l'art. Ouais, est-ce qu'on est obligé de tuer tout le monde en fait? Je pense pas déjà on va se faire tombeau parce que le tombeau, je pense qu'il il peut garder un petit truc en plus. Donc, on va faire le tombeau. Voilà, on va faire le tombeau. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire, t'as bien, faut pas faire trop les tombeaux. Le silencieux, ça me stresse moins en fait. Ouais, ça me stresse beaucoup moins le silencieux. Voilà, on n'entend pas du tout le son en fait. Très peu, on l'entend, on dirait du soufre. Bon, je pense aujourd'hui, en fin de 40 minutes, on va passer ce passage chiant et on s'arrêtera après. Ah! Ah oui! Putain. Ah, celui-là, il n'avait pas manqué. Alors, ici, on va prendre les derniers, tiens, hop. Ici, on a tout, il nous en manque plus qu'un. Donc on est pas trop mal. Voilà, donc ici, on est bon. Ici, il nous reste 4. On va essayer vraiment de les faire dans les règles de l'art, ça veut dire. Putain, ça me stresse. Le but, on fait un filtre depuis 1h30. Hein. C'est bien, mais. Ah, et moi, j'ai le tournage toute l'après-midi, je vais m'amuser. Et troisième tombeau, les mecs, n'empêche.
pendant que j'y suis. Wait! Allez, même lui donner des trucs! On va se faire mal, mais au pire, ça va. Putain, j'avais pas vu en fait. On améliorerait un peu ça, tiens, parce qu'en fait, ça, on l'améliore pas du tout, hein, la mitraillette. Hein. En même temps, on n'a pas la mitraillette un peu plus moderne. Pourquoi on peut encore améliorer un pistolet? Non. Non. Attends. Alors, l'arc, mais oui, l'arc, on l'améliore pas en fait. Les mecs, on a tout le pistolet, enfin, pistolet, il nous en manque plus qu'un, des souvenirs. Il nous en manque 2, donc 300 et 326, mais il nous en manque 625. On attend 625, on reprendra ça. Hop. On améliorera le pistolet vraiment à 100%. Et là, on aura un pistolet ultra cheaté, parce que vous allez... Donc là, on va vraiment la jouer... Et dans ce niveau-là, je vois qu'il y a des loups. En fait, c'est surtout les loups qui me saoulent. Ah, attendez, maintenant on a une. Donc ça c'est la carte au trésor. Ça, c'est le plan provisoire. Ah oui, on a loupé pas mal de choses. Ah, le tour de la... Tour de la forteresse. Ah, putain. Ah, le bidonville, on en a oublié pas mal, putain. Putain, sa mère! Je veux dire le mot, sa mère la pute. Oh putain, ils nous ont fait un truc là. Alors là, on a tout. Ah, du tout, on a rien du tout en fait. Donc on prend les temples. Là, on a pyromane. Ah oui. Oh putain. Ce qu'on fera en fait, on fera un mode libre à la fin du jeu, je pense. Bah. Attendez. Mais étonnant. Ça me stresse qu'on a fait ça à chaque fois. Mon ami est presque, mon ami est presque. Putain. Les loups, les mecs. Les mecs là, normalement. Alors, dès qu'on se fait repérer, on retombe dans le tombeau. De toute façon, il n'y a que. On a tué tout le monde sinon. Putain, en plus c'est un gros. Ah merde.
ta putain de mère. Putain, moi je t'en cul de ta mère. Ah c'est vrai, ah oui, il donne. Ah ouais non, les animaux ils donnent pas mal en plus. Et oui, je dis bien les animaux, tu es mon meilleur ami ce matin, nous a sorti les animaux. Ah là. Oh. Qu'est-ce que ça fait? T'en es plein ici. Vraiment plein, mais. Alors, il y a un truc là intéressant. Oh, ton beau, ça. What? 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 Putain, j'ai trop peur. Il y a un truc en haut. Ah, il y a un truc en haut. Il y a un truc en haut, on va voir. On va voir. Ah, ouais, tu sais, c'est vraiment important. Ouais, il y a peut-être un géocache, mais donc je vous dis, je ne vais pas le jouer à 100% pour le moment. Hein. Il y aura peut-être 100%. Ah, je ne dis rien. Je ne dis rien. Déjà, on va me dire, ouais, tu fais, tu détailles les 100%, au final, tu ne le fais pas. Ça, je vais le lire. Allez. Guerre de tempête, nous nous trouvons à la veille d'un grand changement. Pardon. La flotte ennemie qui s'approche de nos côtes sera la dernière à tenter d'envahir notre royaume. La colère de notre reine déclenchera les plus puissantes des tempêtes et nous chevaucherons les vents pour anéantir ces impies. Mais cette victoire ne sera qu'un commencement. À l'aube, quand la lumière de notre reine éteindra l'océan et les terres que nous serons touchées par sa grâce. Tous nos ennemis brûleront. Ouais, à peu près le rituel de feu. C'est à peu près ça en fait. Putain, non. Je sais pas, j'ai une bêtise. J'ai oublié. Ouais, du poisson. Bon poisson, je pense. Bon poisson. Et là, on a oublié de prendre ça, là, qui était là. Ah, j'aime pas du tout les flèches de feu, en fait. Je sais pas, dites-nous dans les commentaires, est-ce que... De toute façon, ouais, mais... Alors, je précise, tous les épisodes qui arriveront après seront tournés tout de suite à l'avance. Faites que les épisodes depuis l'épisode... Depuis l'épisode 5 est tourné entièrement à l'avance. Donc, c'est-à-dire, j'aurai pas vos retours, en fait, parce que j'ai beaucoup trop de retard, je suis désolé, mais... Beaucoup trop de retard, donc je préfère. Ah ouais, lui c'est celui que j'ai une balle dans le crâne. Le dernier dire maman, viens m'aider, s'il te plaît. Et non. Moi, en fait, j'ai envie qu'on se dépêche. Alors pourquoi je me dépêche un peu. Méchant loup. On en entend, mais on sait pas où ils sont. Donc, alors, petite énigme, toute petite, vraiment très simple. Hein. Laissez ça, hop là. Et là, je vais faire la bêtise. Et en fait, on fait ça une fois, mais Mais non, mais ah, oh saute Lara. En fait, ça me stresse les doigts. Attendez, c'est quoi le problème là en fait? Il me stresse les loups là, putain, c'est horrible. Arrêtez! Attends, entièrement qu'il soit bien mis. En fait. Mais d'où? D'où on peut pas sauter dessus? C'est quoi ce bordel? Putain, mais. Et ça me stresse ce truc là, je te jure, ça me stresse.
Non, là, non, on peut pas aller dessus, c'est une blague. Eh, c'est une blague, mais c'est chiant en fait. Ah, on a pas encore ça, putain. Et c'est pas. En plus, je crois que c'est même pas dans celui-là. Ah, si, c'est dans celui-là. Et putain, mais voilà, il veut bien, mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi ça en fait? Attends, c'est putain. Ouais, je pense en fait il y a un genre de timing. Oh putain. Oui, j'ai un peu crié, mais en même temps, on est dans un jeu un peu plus dur. Mais qui est un peu plus simple que le Horizon, je peux dire. Beaucoup plus simple que Horizon. Non. Là, celui-là, il est beaucoup plus simple que Horizon. À niveau maniabilité, déjà, tu peux courir. Hein. Oh. Il est temps qu'on nous propose un monde pour demain. C'est parce que oui, il y aura un nouveau Nintendo Play trop sur quoi, je sais pas, mais normalement je concocte un let's play long. Peut-être de petites vidéos de 20 minutes. Sur alors 20 minutes, non, 40 minutes, oui. Sur. On sort enfin, les mecs! Attendez! Bordel, comment il a closé! Regardez ce bordel! Eh, c'est le bordel absolu! Oui, mais on dit, t'as oublié des choses? Bah, tant pis, voilà, je le dis, tant pis. Valera avancé. Alors, une nouvelle partie dans le bidonville. Un peu plus court normalement. Ah, il y en a descendre. En tout cas, ce passage-là, qu'on a eu avec la petite musique là. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas mis au bon moment. Ouais, j'aurais dû la mettre dès que ça commence à péter dans tous les sens. Mais c'était stylé. Voilà, pas aussi on prend un truc comme ça. Tiens. Peut-être pas la même musique, mais c'est quoi cette chance? Ah oui, il va pas dire dans tout ça en fait. Oh putain. Mais en fait, je viens de remarquer un truc, mais en fait, elle a pas trop le choix. Ça fait déjà 9 épisodes qu'on essaie de sortir de ce putain d'enfer. Comment dire, enfin, par hasard, il y a ça. Ah oui! Oh non! Oh non. Oh si! Oh si! Oh si! Oh ça! Alors! Non, excusez-moi. Excusez-moi. Ah non, pourquoi je dis oui? Ce passage-là, je l'adore, c'est mon deuxième passage préféré. Vous allez voir. Oh, ça, j'adore. Non, mais c'est vraiment ce passage-là, c'est un passage mythique dans ce tombe pour moi. Eh, mais vous voyez deux fois mieux, c'est moi qui rêve. Déjà, c'est beaucoup plus lumineux depuis cet épisode, alors. On est enfin dans le jour. C'est sûr. Ah non, on peut pas viser, ça sert à rien de viser des. Ah, en tout cas. Non. En tout cas, le jeu est beau. Hein.
veux pas dire. En fait, ça fait 9 épisodes que je joue sur ce foutu jeu, mais. Non, le jeu est moche. C'est... Putain, mais c'est une blague, on est jamais tranquille. Enfin, on roule le temps un peu. Hein. Je me tue à la tête, moi. Oh mais là tu es deux de ces gars. C'est pas visible. T'as deux tirs à la tête. Ça sert à rien de les enchaîner. Non mais on les enchaîne les tirs dans la tête ou c'est moi qui rêve là? Merde, on tire dans la tête. On va charger. C'est mort là. Alors là. Oh là là, leur passage. Faut qu'il me tue à peine d'être attiré. Bah en fait, c'est eux qui sont déjà morts avant. Hein. On se laissera juste après ce passage les mecs. Je pense qu'on aurait un épisode bien mérité. Mais non. Oh, oh. Oh ouais, ouais. Je filme toujours dans mon salon. C'est... J'en reste dans mon pyjama. On va laisser faire le truc je pense. Ouais. Mais vite. Ah Lara. On tourne la caméra. La caméra, on voit bien. Vous avez deux couleurs, j'ai l'impression. Ouais. En tout cas, putain, cet épisode... C'était bien les amis. Si les amis, je vais m'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura toutes et tous plu. En attendant, bah, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode tout en ailleurs. N'oubliez pas de liker, de vous commenter et de vous abonner, ça fera toujours plaisir. Bah voilà. Donc les amis, on s'arrête là pour vous. Voilà. Voilà. C'est Agent 47. Je vous embrasse tous. A plus les mecs. Vous êtes super. A plus.